Dis donc, Guillaume. Oui, une petite balade, une bonne adresse. Je t'entends plus. J'ai l'impression que Marie-Laure les connaît toutes, mais je vais vous emmener tous à 5 km d'Orléans, dans un spectaculaire moulin du 15e siècle, sur le bord du Loiret. Aujourd'hui, c'est une maison d'hôtes, c'est à Olivet. C'est une gigantesque bâtisse qui a été restaurée, vous allez voir, dans un style contemporain et épuré. Dans ce moulin du 15e siècle, niché au bord du Loiret, se cache en réalité une chambre d'hôte. Et c'est Aurélie qui en est la propriétaire. Un salon ouvert et lumineux, des chambres cosy à la décoration soignée, cette décoratrice d'intérieur a fait en sorte que ses hôtes puissent se sentir chez eux, chez elle. C'est ma maison et j'ai vraiment envie de leur faire partager ma maison. C'était aussi mon vœu de faire un mix ancien par rapport à l'âge de la bâtisse et moderne avec certaines touches dans le mobilier, dans les objets de décoration. Ce qui me correspond également. Et si Aurélie et son mari Philippe cherchaient une maison avec une histoire et du caractère pour réaliser leurs rêves, ce moulin leur a donné du grain à moudre. Quand on est arrivé ici, c'était la bonne maison, mais par contre, voilà, c'était un travail énorme. On y a mis beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de fatigue. Mais c'est vraiment le projet d'une vie et ce sera jamais fini. Tout n'est pas terminé, la preuve. Aurélie est encore dans les travaux. Une fois rénovée, cette pièce redonnera toute sa dimension à ce moulin. Donc là, on est vraiment dans le cœur du moulin. C'est la machinerie. Et cette pièce, je l'adore. Pour l'instant, c'est le bazar total. Mais après, ça va être un petit salon, quelque chose de cosy, qui fera que les gens qui ne peuvent pas profiter de l'extérieur, voilà, pourront se sentir bien à l'intérieur. Est-ce que tout va bien sinon ? C'est parfait. Ça va ? Ah, vous êtes bien ? Très bien, merci beaucoup. En attendant la fin des travaux, les hôtes peuvent toujours profiter de l'autre grand atout de cette maison d'hôtes, sa terrasse au bord du Loiret. C'est merveilleux, c'est du bonheur à l'état pur. Le temps est avec nous, dans un cadre exceptionnel. Tous ces cygnes et ces canards, c'est du bonheur de les voir voler autour de nous. Un cadre idyllique dont Aurélie peut aussi profiter en famille, au quotidien entre deux réservations. L'occasion pour elle de prendre du recul sur sa maison. Prendre le bateau comme ça, prendre du recul, ça nous permet de voir vraiment le moulin avec un autre point de vue. C'est vraiment super agréable parce qu'on est dedans tout le temps, non-stop. Et prendre du recul comme ça, c'est vraiment pouvoir admirer la bâtisse dans toute sa longueur. Et ouais, c'est plutôt émouvant. Une nature préservée, un moulin authentique et des chambres finement décorées. À bien y regarder, Aurélie a peut-être trouvé, ici, un petit coin de paradis. Voilà un très joli moulin. Mais moi, j'ai aussi une autre bonne adresse à 2 mètres d'ici. Et une bonne adresse à petit prix, c'est le camping de Poilly-les-Giens. Alors c'est un camping 3 étoiles, 200 emplacements sur 5 hectares. Voilà, c'est face au château, comme nous sommes ici sur le plateau. Il y a des roulottes, il y a des lodges, il y a des tentes sur pilotis. Et quand je vous dis que c'est pas cher, la tente sur pilotis, c'est 40€ la nuit pour 2 personnes. Et la famille Cosson qui gère ce camping, eh bien, ils organisent des sorties en canoë sur la Loire. Et puis, eh bien, ils attellent ces magnifiques chevaux de trait pour le plaisir de leurs hôtes. Les chevaux de trait qu'on a vus passer le long du plateau plusieurs fois ces derniers jours. Voilà, je vous invite aussi... Oh là là, regardez ces images, voilà. Je vous invite aussi à découvrir non seulement le moulin qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi... le camping face au château de Giens. Merci Guillaume.